m'appelle Sébastien Ribard, je suis brigadier chef principal à la police municipale de Caen et je suis aussi référent animalier. Donc, à la PM de Caen, on est 6 référents animaliers au total. On gère les animaux dangereux, que ce soit en gérant les permis de détention ou en les contrôlant sur la voie publique. On gère également les chiens mordeurs et griffeurs en demandant les procédures sanitaires. Et on contrôle également les nouveaux animaux de compagnie quand ils sont détenus sur la voie publique ou à domicile si on nous en fait la demande. On a tout ce qui va être commun comme les lapins, les furets et également les tortues, les serpents, les araignées et tout plein d'autres. Que ce soit un animal catégorisé ou non, la police municipale est habilitée à contrôler tous les animaux pour vérifier qu'ils sont identifiés. On a un appareil de lecture qu'on achète, qui est le même que pour les vétérinaires. On approche simplement le lecteur de l'animal et voilà, on a la puce. On consulte à l'ICAD et comme ça, on peut vérifier s'il est catégorisé et qui est le propriétaire. C'est le logiciel national d'enregistrement des carnivores domestiques. Avant, j'étais en gendarmerie nationale en tant que gendarme adjoint volontaire. Intégrer la police municipale, ça m'a permis de retrouver vraiment la proximité avec la population.